Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il est vivant! Il est vivant! Qui? 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 Merci! Merci, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grande joie de nous retrouver, de vous retrouver encore par la grâce de Dieu qui nous permet de dire la dernière prédication de ce matin à la paroisse du Plateau. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec vous. Merci infiniment aux responsables de la paroisse qui nous ont associés à cette noble tâche. Soyez bénis de l'Éternel.
Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de prédication pour la circonstance est tiré de l'évangile selon Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Luc chapitre 11, verset, j'ai dit Luc chapitre 7, 7 plutôt, verset 11 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, lui dit, « Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil, ce qui le portait s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de ce matin commence très mal parce qu'il est révoltant et émouvant. Il y a de quoi se questionner sur son choix à l'heure où les cœurs sont prêts à savourer et déguster la bonne nouvelle. Est-ce que le pasteur veut nous faire comprendre ce matin que si nous croyons, que si nous avons la foi en Jésus, nos morts vont revenir à la vie? Ah non, pas du tout. Je ne vous donne pas cette certitude, bien-aimés dans le Seigneur. La préférence de ce texte nous donne tout simplement de revivre et de nous ressouvenir des très bons moments que nous avons passés ensemble, la paroisse de plateau, et faire comprendre par ce message la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, venons-en maintenant à la réviviscence. Le Seigneur Jésus-Christ est au début de son ministère terrestre en Galilée. Après avoir prononcé son discours sur la montagne et opéré de nombreux miracles qui ont marqué les esprits et les cœurs, sa notoriété devient importante. C'est-à-dire Jésus est en train de gagner du terrain par rapport à ce qu'il est en train d'opérer et d'accomplir comme miracle. De ces faits conjugués, bien-aimés dans le Seigneur, les disciples et les foules sont sur les traces et dans l'admiration d'un nouveau prophète, un nouveau grand prophète qui vient de faire son apparition. Bien-aimés, ce texte nous avons donné lecture et qui nous transporte à Naïn ce matin, certainement non loin de la porte principale, révèle le choc entre deux cortèges marqués par deux foules différentes. Le choc entre deux cortèges et deux cortèges marqués par deux foules différentes. Le premier cortège en effervescence exprime ici la joie, ou exprimant la joie, la gaieté, la vie, la louange et l'adoration est celui de Jésus-Christ accompagné des foules et ses disciples qui, ayant vu des miracles opérés, alors s'extase de joie, bien-aimés dans le Seigneur. Un peuple, ou bien un groupe de peuples, le cortège qui est dans
l'hilarité, dans la joie. Alléluia, vive le Seigneur, il est vivant. Hosanna, gloire à Dieu. Un peuple qui saute, un peuple qui glorifie, qui adore Dieu, parce que Jésus, le nouveau prophète, a apparu en train d'opérer des miracles. Les gens sont dans une joie immense, une joie débordante. Ça, c'est le premier cortège. Par contre, le deuxième cortège, bien-aimé dans le Seigneur, il est lugubre. Oui, bien-aimé, avec sa longue procession, chantait des mélodies ou des mélopées funèbres. Il s'agit d'une mère, hélas, veuve qui sort de la ville pour aller enterrer son fils. Et quel fils? Fils unique. Le cortège de Jésus, c'est la joie, mais de l'autre côté, la sortie de la porte de la ville, des pleurs. Les gens sont en larmes. Toute la ville est dans une vive émotion. Bien-aimé dans le Seigneur, à la perte d'un mari est venue encore se surajouter celle d'un fils unique. Et sa dernière raison d'être, sa dernière raison de vivre et de pouvoir vivre. Et cette peine, tel un tremblement de terre, bien-aimé dans le Seigneur, suscite une onde de choc au cœur de cette petite localité qui est Naïn. Et dans cette circonstance dénuée de polémique, rien ne prouve que cette femme eut la foi en Jésus. Rien. Et nulle attente et espérance ne plane sur le convoi funèbre. Et aucune requête n'est adressée à Jésus. Mais seule la mort qui s'est abattue injustement passe en dévastant tout bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, et toute espérance de la veuve. Oh, quelle tristesse! Quelle peine insurmontable et injustifiable. La maman est perdue. Elle venait de perdre son mari. La voilà encore pour une deuxième fois se rendre au cimetière pour aller enterrer son fils unique. En ce moment, la bien-aimée, la réaction de la ville, oui, la ville est au cœur de l'événement. Le soutien est total. La solidarité est entière. Toute la ville entoure cet moment de prévenance pour la soutenir, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que ça ne va pas. Parce que ça ne... Vous savez, et nous le sommes très bien, nous le savons très bien qu'en Israël, le statut d'une femme ne peut s'affirmer que dans la perspective d'être une mère. Et cela est aussi vrai pour nous aujourd'hui, parce que de nos jours, bien dans notre culture, le vécu d'une femme n'a de véritable sens qu'en donnant la vie, c'est-à-dire engendrer et fonder une famille. Voilà la vocation d'une femme. Donc ce n'est pas anodin si la stérilité était perçue comme une malédiction. Oh, cette femme a perdu ses deux principales raisons de vivre. En tant que femme, elle n'a plus de mari. Et en tant que mère, elle vient de perdre son fils. Quelle tristesse! Elle est privée de l'essentiel de la vie. Aimer et être aimé, bien aimé dans le Seigneur. Le drame émotionnel et matériel ne peut susciter dans ce cas que désespoir et dépression. Puisque toute autre souffrance physique, ce mal renvoie donc à la mort. Mais par l'absence de bonnes raisons de vivre. Voici pour la seconde fois qu'elle blanchit maintenant des nuits sombres, étendues à même le sol, à terre battue, suppliant le Seigneur, le Père Céleste, afin de lui apporter de l'aide et chercher à comprendre pourquoi, Seigneur, son malheur m'est arrivé. Oui, bien-aimé, il nous arrive des moments comme ça, dans plusieurs circonstances, on se pose mille et une questions. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi tel châtiment? Qu'ai-je fait? Quel péché ai-je connu? Ai-je commis plutôt? Il nous arrive des moments comme ça, lorsqu'on est dépassé, on se pose mille et une questions. Ah, le Seigneur m'a abandonné. Oh, le Seigneur ne m'aime pas. Oui, c'est l'état bien-aimé de cette veuve. Elle était certainement aussi terrifiée par la solitude qui l'attend. Il est évident, bien-aimé, que ce serait une tragédie pour n'importe qui de perdre un fils. Mais quelles sont les implications sociales, les implications spirituelles et financières d'être veuve sans héritier dans l'Israël antique? Dans la culture vétérotestamentaire, bien-aimé, le décès d'un époux
avant d'avoir atteint un âge avancé, était un signe de jugement de Dieu à l'encontre du péché. Ainsi, certains croyaient que Dieu a châtié cette veuve. Dans le livre de Ruth, lorsque Naomi devint veuve à un jeune âge, elle se lamenta. « Éternel s'est prononcé contre moi, le Tout-Puissant m'a affligé. » Telle est la déclaration de cette dame quand nous lisons Ruth, chapitre 1, verset 21. Oui, la veuve de Naïm était non seulement en proie à la douleur spirituelle et émotionnelle, mais elle était aussi menacée par la ruine financière et la famine. On pouvait dire que par le lieu du mariage, la belle famille assurait sa protection financière. Et si l'époux meurt, la responsabilité de s'occuper de la mère revenait en principe au fils, à l'héritier, au fils premier du bois d'aînesse. Maintenant que le fils de cette veuve est déjà mort, elle était dans le dénuement financier, elle est dans une impasse, elle est perdue, elle ne sait à quel sens se vouer. Bien-aimé, quelle douleur! Je viens de perdre mon époux. Ça pouvait se comprendre. La mort est un passage obligé pour tout le monde. Je pouvais supporter en ce moment-là, en un clin d'œil, en un seul instant. Me voici encore en train de repartir au cimetière pour aller enterrer qui? Mon fils unique, ma seule raison d'être. Bien-aimé, arrêtons-nous un instant. Avons-nous déjà vécu cette expérience? Est-ce qu'il y a ici présent, il y a des gens qui ont déjà expérimenté cela? Perdre l'être ou la personne que nous aimons beaucoup. As-tu expérimenté cela? Est-ce que tu peux être maintenant là comme cette dame, cette veuve? Essaie un peu d'entrer dans la situation de cette veuve. Tu comprendras ce que c'est la douleur, bien-aimée dans le Seigneur. Oui, cette veuve est le symbole de l'extrême souffrance qui conduit au refus de la vie. Son fils unique était sa sécurité. On peut dire une assurance vieillesse. C'était sa retraite, une présence dans son quotidien. Mais au moment où les villageois emportaient le fils de cette femme pour l'enterrer, voilà, apparaît un homme appelé Jésus qui rencontra le cortège et fut ému de compassion pour cette dame, pour cette veuve. Oui, percuté par l'onde de souffrance de celle-ci, le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Jésus dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Est-ce que les seuls mots de Jésus suffisent pour apaiser sa douleur? Non, pas du tout. Imaginez-vous, vous êtes à la maison, vous êtes frappé, vous êtes endeuillé, et qu'un diacre se présente pour dire, femme, ou monsieur, ou frère, ne pleure pas. Même en ce moment-là, où on est inconsolable, la parole du pasteur n'a plus de poids. Elle ne pèse plus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus vient comme un aventurier. Il dit, ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Oui, l'émotion de Christ ne reste pas en lui. Elle va être mise au service de cette mère et de son fils, de cette foule désemparée, de ses disciples et aussi de notre humanité. Bien-aimés, nous voyons ici comment le Christ a pénétré la douleur de cette mère et l'a fait sienne. Oui, c'est la force attractive de son amour qui nous attire à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, oui, Jésus dit, ne pleure pas. Cette parole ahurissante qui, renversant les us et coutumes de la région, s'oppose au processus d'escorte du défunt vers la dernière demeure. Devant les pleureuses spécialistes qui ont pour mission typique de raviver la douleur et non de l'apaiser. Devant les légitimes cris et larmes faisant partie du cortège pour exprimer la détresse. Jésus se présente ici comme un agitateur. Oui, comme un agitateur. En un instant où le respect s'impose, bien-aimé, Jésus vient enfreindre la règle en contre-proposition. Il invite la foule en détresse à l'aventure audacieuse de la foi. Face à ces pleureuses spécialisées dans la
chrétien de la douleur, le Seigneur propose d'y mettre fin. Il dit, ne pleure pas. Bien-aimés, imaginons un peu l'attention de Jésus, la présence de Jésus devant une foule où les gens sont là, le mort, devant le mort, un lieu où le respect s'impose. Et nous savons très bien en Afrique, dans nos cultures, comment les morts, oui, bien-aimés, comment les morts sont vénérés. Mais tu viens pour dire une parole, pour décourager les gens. Bien-aimés, les gens sont blessés, mais tu viens dire une chose qui va à l'encontre de leur culture. Ne pleure pas. Jésus ne mérite pas d'être lapidé en ce moment-là. Quel contraste. Oui, le Seigneur n'est pas inactif devant la détresse humaine, pas du tout. Jésus-Christ n'est pas impuissant. Il n'est pas un simple spectateur. Jésus, le prince de la vie, fait face à la mort. Le porteur d'espérance face au désespoir. De spectateur de la mort, Jésus devient en ce moment-là acteur de la vie. Oui, bien-aimé, du spectateur de la mort, Jésus va devenir acteur de la vie. Parce qu'il est le prince de la vie. N'a-t-il pas affirmé dans la parole du bon berger, bien-aimé dans le Seigneur, que j'ai le pouvoir de donner la vie, oui, et la reprendre. J'ai le pouvoir de donner la vie et la reprendre. Parce que la mort est l'ultime passage, bien-aimé, obligé de la foi. Parce que la mort est le triomphe de la vie sur la mort. C'est pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il immobilise la possession et brave l'interdit. Il avance encore et touche le cercueil. Jésus avance, il avance à petits pas. Il continue sa marche, il avance encore, bien-aimé. Il va toucher le cercueil. Jésus ici brave l'interdit d'être en contact avec un mort selon la coutume juive, ce qui le rendait impur en principe pendant toute une semaine. Oui, Jésus brave l'interdit. Il va toucher le cercueil parce que selon la coutume juive, on ne peut pas être en contact avec le mort. Mais Jésus brave l'interdit. Jésus va au-delà de la coutume juive. Il veut toucher de doigt parce qu'il y a quelque chose qu'il veut réaliser en ce moment-là. Non seulement le Christ renverse la tradition, mais il défie la mort en touchant le cercueil. Et il déclare, jeune homme, je te dis, réveille-toi. Waouh. Jeune homme, je te dis, réveille-toi. Et le mort, le jeune homme qui était allongé, le voilà, il se lève. Il se lève. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous voyons comment la puissance de Jésus-Christ est en train de se manifester dans la vie de cette pauvre veuve, désespérée, ayant perdu son mari, perd encore son fils. Elle était désespérée, elle était désemparée. Mais Jésus vient poser un acte salutaire pour restaurer la vie de cette femme. Et Jésus prend le fils et remet à sa femme, à cette femme. À Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le lien familial. Il y a eu ce qu'on appelle la restitution. Le clan familial s'est retrouvé encore à cause de la puissance de Jésus. Oui, ce jeune homme qui était mort allongé, il est passé de la mort à la vie. Quelle grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Alors, vous savez, mais je ne veux pas titiller les théologiens ce matin. Alors, il y a de quoi parfois faire regarder un peu la résurrection. Je ne sais pas si c'est un cas de résurrection ou de ressuscitation. Parce que là, il y a un problème. Est-ce qu'il s'agit de la résurrection véritablement? Parce qu'il y a des cas de ressuscitation. Il y a parfois des moments où, bon, les scientifiques sont là, les médecins sont là. On peut être dans un état comateux pendant une année. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Alors, est-ce que ce jeune homme n'était-il pas dans le coma? Je mets question mark, point d'interrogation. S'agit-il d'un cas de ressuscitation ou de résurrection? Les théologiens sont là, à vous de juger. Mais j'aimerais prendre un cas similaire, bien-aimé, pour parler de la résurrection. Parce que parler de la résurrection, il faut qu'il y ait mort véritable. Deuxièmement, il faut qu'il y ait ensevelissement. C'est le cas de Lazare, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, j'aime bien ce récit. Jésus, comme d'habitude, est parti en mission.
On lui donne l'information ou la nouvelle selon laquelle Lazare, son ami, est malade. Mais Jésus dit, oui, il est malade. Mais sa maladie, c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Ok. Pour que Dieu soit glorifié. Jésus continue sa mission. Quelque temps après, Lazare trouve la mort. Et quand il trouve la mort, on a organisé les obstacles, ainsi de suite. Voilà comment Lazare, plutôt, on va l'enterrer. C'est en ce moment-là que Jésus revient du voyage. Il vient. Alors, il aimait tellement Lazare, c'était son ami. Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie. Donc, c'était devenu pratiquement la famille. Mais Jésus revient. Mais Marie dit, mais Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus dit, ton frère ressuscitera. Ça commence à venir. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus dit, ton frère ressuscitera. Bien-aimé, mais Marie avait la notion de la résurrection. Mais la résurrection, c'est au dernier jour. Ce n'est pas l'instant. C'est au dernier jour. Elle y croyait. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus arrive. Oui, il se présente. On lui explique la scène. Mais Lazare est mort. Si tu eusses été là, il ne serait pas mort. Mais oui, ça c'est vrai. Mais ton frère va ressusciter. Il va ressusciter. Mais de toute façon, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde toujours. Jésus ne reste pas inactif. Jésus ne reste pas naïf. Mais il cherche à aller au tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Lazare est déjà mort. Enterré. On dit déjà après 4 jours, il sentait déjà le corps donc en pleine putréfaction. Mais Jésus va se rendre au tombeau, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus au tombeau, pour aller faire quoi? Pour aller pleurer certainement. Comme il n'était pas là, les autres ont fini de pleurer, c'est vrai. Mais Jésus doit se rendre au tombeau, qu'il aille pleurer parce qu'il aimait Lazare, c'était son ami. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Jésus se dirige vers le tombeau. Mais qu'est-ce qu'il va aller chercher? Donc les morts, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il veut partir. Jésus avait un acte accompli à la tombe, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est parti. Mais quand il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, oh, le Seigneur est merveilleux. Jésus est là. Le voilà au tombeau. Il est là. Il y avait des spectateurs. Il y avait des juifs qui se moquaient de lui certainement. Mais celui-là, celui qui a prêché l'évangile, celui qui a prêché, celui qui a guéri, celui qui a opéré des miracles. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ici, en ce moment? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va au tombeau et il pleura. Jésus pleure en ce moment-là. Mais ce qui est bien dans cette histoire, dans ce récit bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Jésus, non seulement il a pleuré, mais le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Seigneur, en tant que sauveur de l'humanité, qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé dans le Seigneur? En ce moment-là, oui, Jésus lève, il dit, il regarde le ciel, il regarde le ciel, il dit, Père, Père, il prie en ce moment-là, il invoque Dieu son Père. Oui, Père, je sais que tu m'as toujours écouté. Ça veut dire que tu m'entends toujours. Tu m'exauces toujours. Oui, Jésus élève la prière. Père, je sais que tu m'écoutes toujours. Tu m'entends toujours. Tu m'exauces à tout moment. Maintenant, devant cette foule, Seigneur, agis. Agis maintenant. En ce moment-là, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, Lazare, sors! Oh, j'aime ce cri. Bien-aimé, je n'imagine pas, est-ce que Jésus parlait en ténor? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus parlait en alto? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une voix basse? On ne sait plus. Est-ce que bien-aimé, c'était le baryton? On ignore. Mais la voix de Jésus, cette voix toute puissante retentit. Bien-aimé, elle va jusqu'au très fond
du monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'au séjour de mort. Oui, la foi de Jésus, cette foi qui retentit, bien-aimée, elle est puissante, bien-aimée dans le Seigneur. Oui, la foi de Jésus, elle retentit jusqu'au séjour de mort. Bien-aimée, la voix de Christ, elle secoue jusqu'au sépulcre Lazare qui était allongé, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, on ne dit plus que Lazare était assis, non. Il dormait, il était lié, ligoté, bien-aimé. Il était entouré, bien aimé dans le Seigneur. Oui, le mort, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Après que le cri de Christ est retenti, oui, Lazare sort. On le voit en train de sortir. S'agit-il d'un démon? S'agit-il d'un fantôme? Non, mais c'est Lazare qu'on avait enterré, qu'on avait enseveli. Après que la voix du Christ est retentie, Lazare sort du tombeau. Il sort du tombeau. Lazare passe de la mort à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Lazare qui était lié, Lazare qui avait les yeux fermés, Lazare qui n'entendait plus, Lazare qui était sourd. Maintenant, Lazare, bien-aimé, oui, il peut maintenant bouger. Lazare peut jouer maintenant. Lazare peut courir, bien-aimé dans le Seigneur. Lazare peut parler. Lazare a le mouvement. Lazare a l'être. Parce que Jésus a agi. Oui, il a agi. Il a agi. Là, il a agi. Le cri de Jésus. Le cri de Jésus. Le cri de Jésus. Le cri de Jésus. La puissance de Christ s'est manifestée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle aux choristes ce matin. Vous qui êtes découragés, la voix de Christ retentit ce matin. Jésus dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Je parle à toute la communauté ce matin. Christ te dit, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Jésus dit, comment ce jeune homme dit, lève-toi. La voix du Seigneur maintenant passe et dit, lève-toi dans ta souffrance, lève-toi dans ta misère, lève-toi dans ton opprobre, lève-toi dans ta stérilité, lève-toi dans ton chômage. Oui, la voix du Seigneur parle maintenant. Oui, Jésus, parle maintenant dans ton âme, dans ta conscience. Es-tu découragé? De quoi? Si Christ arrive à ressusciter le mort, mais Christ est capable de ressusciter ton mariage, ne le sais-tu pas? Je parle à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est dans l'enfermement. Je parle à quelqu'un maintenant qui est dans le découragement. Je parle à quelqu'un qui est dans les soucis. Je parle à quelqu'un qui croit que tout est fini. Tu étais quelque part, on a prophétisé sur toi qu'il n'y a plus rien de bon. Mais Jésus dit ce matin que tout est possible. Tout est possible. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Crois seulement. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Jésus est venu pour restaurer. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut restaurer ta vie. Jésus veut restaurer ton commerce. Jésus veut restaurer tes affaires. Jésus veut restaurer ta promotion. Si ta voix a été volée, Jésus veut la restaurer ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, si ta voix, si ta vie, si tout ce que tu fais ne marche plus, oui, si bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans des soucis, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois être enfermé, si tu crois qu'il y a un gourou de la famille, oui, qui a pris possession de ta vie, Jésus te dit ce matin, ne pleure pas, il va te restaurer, il va te restaurer, il va te restaurer. Amen. 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 Oh Jésus. Vous voulez s'il vous plaît. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mon garde. Je ne suis jamais tout seul. Bien-aimé, là où tu t'es levé, là où tu es debout, demande au Seigneur de te visiter maintenant. Que le Seigneur te visite maintenant. Que le Seigneur te rassure encore. Oui, qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce que tu as perdu en 10 ans, le Seigneur est capable de restaurer en un clin d'œil. Oui, ce que tu as perdu pendant plusieurs années, si tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix, le Seigneur est capable de la redonner encore. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, crois à cette parole, parce que Jésus dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prie maintenant dans ton cœur que le Seigneur te donne la paix et crois que oui, Jésus va me restaurer. Jésus va me donner une nouvelle identité, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu passes dans une nouvelle saison de ta vie, de ton existence. Oh Jésus. Yahweh! Yahweh! Jésus, je t'invoque maintenant, ta présence au milieu de ton peuple. Yahweh, agis! Parle à chacun de nous, notre Dieu. Que ta voix retentisse, Seigneur Jésus, dans nos consciences. Que ta voix retentisse, notre Dieu, maintenant, dans nos cœurs. Yahweh, viens, assiste ton Église. Voici tes bébés, Seigneur, perdus, notre Dieu, dans les pensées, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, nous voulons sentir ta présence, Seigneur Jésus. Maintenant, Éternel, agis maintenant. Agis, Seigneur. Parle à cette femme découragée. Parle à ce frère. Parle à ce papa. Parle à ce jeune. Parle à cette âme découragée. Yahweh, restaure ton Église, Seigneur Jésus. Toi qui es le bon berger. Yahweh, nous voulons sentir ta présence maintenant. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour la certitude, pour ton amour, pour tes plans merveilleux, pour tes miracles dans nos vies, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Oh, Jésus. Veuillez vous asseoir sur place.